Eh bien, salut tout le monde, c'est KiraGamer95. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va faire ensemble le secret du mode créatif. Donc, comme vous pouvez le constater, on voit tout autour de nous un magnifique ensemble de manoirs. On a l'impression que c'est vraiment pour le thème Halloween. Et c'est vraiment incroyable et magnifique. Donc, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Sur ce, on attaque le défi secret. Alors, pour commencer, dès que vous arrivez au lobby, comme d'habitude, il y a l'île, votre île qui apparaît juste en face de vous. Ou alors, si c'est avec un de vos potes que vous faites, c'est l'île de votre pote. Pour commencer, nous allons faire un petit demi-tour jusqu'ici. On va aller dans cette direction, au niveau de ce buisson. Donc on y va, c'est parti. Parce que ce qui nous intéresse, la première étape, c'est d'aller voir le panneau juste derrière ce buisson ici. Donc l'île là-bas, le buisson, le petit panneau qui nous intéresse. Alors, Discover Wind Whisper. On va découvrir. Et il y a des phrases qui s'affichent à l'écran. Miss Wind Whisper is quite a sight. Ok. She builds her mansion throughout the night, never stopping, never style, building her masterpiece at will, hunting corridors and creaking floors, stairs to nowhere and nether doors. Bon, je parle pas très bien anglais, mais j'essaie de lire comme je peux. Hein. The spirits have come to call this home, free to wander, free to roam. Et ensuite, c'est cette phrase ici présente qui nous intéresse. Ce texte plutôt. On a une blouse, blablabla. Je vous laisse essayer de traduire avec Google Traduction ou ce que vous avez sous votre main, à moins que vous soyez très bon en anglais avec le collège et les écoles. Moi, du coup, ensuite, après cette étape, il nous suffit de faire un petit demi-tour directement face à ces fleurs-là. Oh, bonjour la tête. Il y a une tête dans ce buisson, enfin dans ces fleurs. Alors ensuite, il faut aller directement dans ce labyrinthe ici présent. Faut ni aller à gauche ni aller à droite parce que c'est des cul-de-sac. Donc on va aller tout droit. Une fois entré à gauche. On continue, on continue, on continue, on continue tout droit, toujours tout droit. Jusqu'ici, et on tourne à gauche. Et là, on tourne à droite. On continue tout droit. Parce qu'il y a une statue à récupérer juste ici. Faut aller la voir. Statues Secret. Welcome, newcomer. My name is Aster. I have a twin. She's around here somewhere. Ask her about the mansion that grows. And find the secret that only she knows. Bon, j'arrive pas à traduire l'anglais, mais l'anglais, j'arrive pas à le lire correctement. Je sais pas si c'est compréhensible, donc je fais comme je peux, comme d'habitude. Alors, une fois cette statue activée, on fait demi-tour. On repasse le chemin qu'on a fait juste avant. On continue tout droit, et là, on passe à droite. Ensuite, on va tout droit, donc à droite. Et on continue, on continue, on continue encore et encore. Et là, on tourne ici. À droite. Ouais. Ensuite, on a une autre statue. Headed deep. Beneath, etc. Blabla. Et là, il y a des textes qui viennent s'afficher. Donc là et là. Je laisse regarder pour vous-même pour essayer de traduire. Ensuite, une fois la statue effectuée, on va quitter le labyrinthe. On passe par là, à gauche. On va à droite. Et encore à droite. Et on continue droit et on tourne à droite et on sort du labyrinthe. Donc une fois cette étape active effectuée, on va tourner à droite. On continue à droite encore, on va passer derrière le labyrinthe. Donc on va allonger les barrières de d'intrusion, on va appeler ça comme ça. Ce sera pas facile. Mais on va appeler ça comme ça, c'est pas grave. On tourne encore une fois à droite.
Oui, il y a un cimetière juste à notre droite, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la crypte ici. J'espère que sur la vidéo, ce sera pas assez trop sombre. Après, ça dépend de votre luminosité d'écran de chez vous. Ensuite, on arrive dans la crypte. Hello, there my new friend. Can you help me put this nightmare to hand? On va appuyer sur ça. Il y a des textes. I have teeth, but I cannot bite. Born in this year, on the 4th of June, they slightly resemble mini moons. I burn right but north tonight. Ensuite, il y a un autre texte. Localiser trois de mes favoris, etc. etc. Donc, en fait, ensuite, une fois ceci fait, on a trois objets à trouver. Donc, on va sortir de la crypte, on va passer à droite. On va encore longer les grillages de sécurité, hein, anti-intrusion. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est par ici, derrière cet arbre. On va passer là, et vous voyez, il y a un abri, on va dire, anti-atomique, qui est ouvert. On va y entrer, on va passer au fond, et juste ici, il y a un truc qui nous intéresse. I saw no one to riddle number 2. Vous entendez cette petite mélodie? Ça veut dire que vous l'avez bien activée. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est vers cet arbre là-bas, il y a un banc. Il y a un banc à ses pieds, et sur ce banc, il y a quelque chose qu'on doit récupérer. Le banc est juste ici. Voilà. Pearls. No one to riddle number 3. La mélodie a été activée, ça veut dire que c'est validé, et ensuite c'est vers la fontaine ici présente. On a la petite lanterne juste là qu'on voit d'ici à récupérer. Juste ici, Burns bright but not tonight. Une fois ceci terminé, il vous reste plus qu'à retourner voir la crypte et interagir avec la tombe entre guillemets qui s'y trouve. Avec laquelle on a interagi avant d'en ressortir. Donc on y retourne, on relonge les grillages de sécurité anti-intrusion. J'adore le terme, anti-intrusion. Ensuite on rentre dans la crypte encore une fois. On continue jusqu'au bout et on interagit une nouvelle fois avec la tombe. Et le défi est terminé. You discovered the secret of Wind Whisper Mansion. Happy Spooky Season. Tag Dumbblown Gaming sur Twitter si vous complétez cette quête. En plus, il met bien son nom sur YouTube et son nom Twitter. Et bien sûr. Et il nous a mis des petits messages. Ah, juste ici. Ah, juste ici. Et enfin, on va retourner là. La porte qui était derrière nous. Et on arrive de retour à l'accueil. Bon, et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et même très bien aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager avec vos amis. Je compte sur vous. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Et moi, je vous retrouve très bientôt, voire même très vite, pour de nouvelles vidéos ou nouveaux lives. Allez, salut à tous!